à peine du temps, donc il est encore très jeune, mais il a pris énormément en maturité. Sa vision de voir la boxe, sa façon de boxer, ça a énormément changé. J'ai encore rien montré. Et on sait, moi et mon père, on sait. Genre. Là, j'ai encore rien montré de mes talents. Je sais qu'à force, je vais montrer des plus belles choses. C'est le rythme auquel tu t'attendais, ces combats comme ça en 5 mois. Franchement, c'était dans nos projets, donc ouais, je m'attendais. Je sais à quoi. Je sais que pour arriver là où je veux y aller, fallait charbonner, fallait boxer, fallait enchaîner l'année avec maximum 8 combats, 7 combats. Et voilà, on l'a fait. Comme j'ai dit, là, c'est son premier titre international. Donc Bakary est actuellement le plus jeune professionnel français. Et s'il obtient cette ceinture, ce sera le plus jeune boxeur professionnel français et boxeur titré français. Donc c'est super, c'est une opportunité que le Luxembourg nous offre. Et voilà, donc c'est un grand début. C'est un grand début, c'est une grosse aventure qui commence. Et voilà, on est là et le petit est bien préparé. Bakary est très très bien préparé et ça va être un très très bon combat. Pas menti, on passe pas par quatre chemins. On a dit, on s'est fixé un objectif, c'est pour l'atteindre. Plus je boxe, plus je me déplace, plus je prends de l'expérience. Il y a une maturité qui s'impose. Je suis plus posé, je me précipite moins. Parce que il y a des choses que je fais, par exemple, ce sont en sparring. Je sais que si je produis en combat, en étant plus posé, ça va faire mal. Tu démolis le type et après on discute. Y a pas de ouais, comme tu m'as dit là, j'ai fait ça pour. Y a eu mes potes, mais, on s'en fout. Hein. Parce que tes potes ils sont pas dans le ring. Tu viens, tu fais tout ça à faire, tu gardes ton objectif en tête. Quand tu rentres, tu gardes ton objectif en tête. Celui c'est juste une étape. Tu vois, ils vont nous mettre des étapes, mais on doit aller chercher un gros truc. J'ai le temps, je suis jeune encore, on n'est pas pressé. On voit qu'à chaque combat, je m'améliore, chaque combat, je montre des nouvelles choses de moi. T'as pas de pression à avoir, tu boxes, tu fais ce que t'as à faire. C'est juste qu'à chaque combat, on est meilleur que le combat d'avant. Ouais. Et il faut lui faire sentir. Toutes ces heures d'entraînement, là, il faut lui faire sentir. Donc. Mais j'ai encore rien montré. C'est encore rien montré. Et on sait, moi et mon père, on sait, genre. Là, j'ai encore rien montré de mes talents. Je sais que je peux encore montrer plus que là. 6 mois après d'être passé pro, il dispute son premier titre international, c'est du jamais vu. Ouais, pour moi, c'est un très bon test, mais le combat d'avant aussi, c'était un bon test. Voilà, on monte en rythme, tranquillement, doucement mais sûrement, sans griller les étapes, et puis voilà. Et c'est surtout son premier titre international, et c'est très important, hein, c'est très important pour lui, et voilà. C'est pas un combat comme un autre, hein. C'est un combat avec un titre. Donc c'est pas un combat comme un autre, voilà. Donc on va commencer par les licenciés au Luxembourg. Enzo Blanc, catégorie super léger. Je sais qu'à force, je vais montrer des plus belles choses. Et je sais qu'il y a des choses que je peux faire. Que je le fais pas encore et ça va venir. Prochain combat poids lourd, on ne le présente plus évidemment. Johan Duopas, son retour. Ça va venir, j'ai encore le temps, je suis à 6 combats là bientôt. De toute façon, ça va venir. Alors,
Dernier combat, ce sera donc le championnat national du Luxembourg des poids super welter. Il a 6 combats, 6 victoires. C'est un jeune talent, un jeune espoir. C'est Bakary Samaké, il nous vient de Paris. Moins de 69 kg, 850. 69 kg, 700. 69 kg, 500. C'est balisé. C'est le premier titre. C'est, même si c'est pas un grand, grand titre, mais c'est quand même le premier titre. C'est quelque chose de, c'est quelque chose de bien pour un début. Pour mon début professionnel, j'ai un premier titre. Le plus jeune boxeur français titré. C'est quelque chose de très bien. Voilà, là, je monte un cap. On va monter un cap. Je vais plus me lâcher. Je vais un peu plus me lâcher, plus me détendre, lâcher ma boxe. On va essayer de faire les choses bien ce soir. Si je te dirais que j'ai pas de pression, ce serait mentir. Un petit peu de pression, c'est normal. Mais on a confiance au petit, il est super bien entraîné et il va faire le boulot. C'est un commencement. C'est le commencement, c'est les choses sérieuses qui vont commencer à arriver. Donc là, il va prendre le titre, son premier titre professionnel. Et voilà, c'est le commencement, un vrai commencement. Bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il a que 18 ans, il a à peine 18 ans. Il a à peine 18 ans, donc il est encore très jeune, mais il a pris énormément en maturité sur sa boxe et sur sa mentalité aussi. Ouais, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Il faut savoir un truc, j'ai 18 ans, je sais que arrivé à 19 ans, 20 ans, mon corps il va changer encore plus. Là je suis pas au. Je suis pas au max. Je le sais dans ma tête. Mais on s'enflamme pas. On s'enflamme pas, on s'entraîne dur. Et on attend de prouver. On attend le bon moment pour prouver. Il est beaucoup plus réfléchi, un peu moins fougueux, c'est normal. C'est à force de boxer, tu prends de l'expérience. Plus tu vas boxer, et plus il va boxer, plus il sera à l'aise. Et puis, surtout son dernier combat qu'il a fait, il a fait un 6 rounds, donc il a vu qu'il était capable de faire des rounds face à un boxeur qui était très fermé, qui était très dur. Et voilà, donc la confiance qui s'installe, et voilà. Les gens ils voyaient un phénomène, ils voyaient que j'ai un corps d'adulte, ils voyaient que je boxe bien, ils veulent me voir face à des grosses têtes. On attend tout ça, on va affronter des grosses têtes. Mais juste, il faut me laisser le temps de rentrer dans le truc. J'ai 18 ans, on va pas brûler les étapes. Sa vision de voir la boxe, sa façon de boxer, ça a énormément changé.
sir. Bien solide, bien compact. Et surtout si tu travailles en bas, tu ne travailles pas que sur un point, tu boxes, hein, d'accord? C'est de la fierté, c'est beaucoup d'entraînement. Ça fait des années qu'on s'entraîne. On fait les choses de nous-mêmes, hein. On ne demande de l'aide à personne. C'est une satisfaction et voilà. Okay. Énormément, je suis fier de lui. Très très fier. Très très fier. Parce qu'il le redonne bien. Et il le donne avec le cœur. Et bien sûr que c'est une fierté. C'est grâce à mon père. Depuis tout petit, il est là. Depuis que je suis petit, il me pousse vers le haut. Il aime ce qu'il fait. Le plus important, c'est il faut aimer ce que tu fais. Et lui, il aime ce qu'il fait. Donc ça roule tout seul. Moi, tant que c'est mon métier, je suis obligé de m'entraîner dur. J'ai décidé d'aller dans la voie professionnelle, c'est pour en faire ma vie. Voilà, j'en suis convaincu. Je serai le meilleur. Je serai le meilleur dans mon domaine. Il va pas faire de 30 rounds. Quand on fait, c'est d'être plus pressé, plus méchant. D'accord ? Combinaison, Bakary, combinaison. Plus méchant. Allez, bosse! Voilà, combine! Voilà! Voilà, calme, combine! Le but c'était de le détruire au corps pour après le descendre. Et on a fait ça. C'est ce qu'on a visé, voilà. 7 combats pour l'année 2021 et voilà, ça rentre dans les clous. Tout s'est passé dans l'ordre. Tout s'est passé comme prévu, on va dire. Mais c'est que le début. 2022, il y aura des très très grandes surprises. Et croyez-moi que les choses vont avancer, mais vont avancer comme elles devront avancer. Tranquillement. Crescendo, voilà. On ne boulera pas les étapes, mais ça va avancer. J'ai encore du boulot. Après mon dernier combat là, à Deauville, on va s'entraîner dur. On va faire un gros camp d'entraînement. Et on va revenir en force. On va revenir, ça ne sera pas le même Bakary. Physiquement, tout, techniquement, tout aura changé. Arrête, fais ça.
Ha 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 ha!